Alors, Place de la République, il faisait face à des êtres humains d'une part et à une situation d'autre part. Et la situation, on sait qu'elle est liée au fait qu'on avait donc des personnes qui se sont retrouvées sans hébergement, sans proposition d'hébergement. Il y a eu un effet de communication, il faut quand même dire, pour attirer l'attention sur le fait qu'il y avait urgence à trouver une solution pour des personnes qui étaient en situation extrêmement difficile. Ensuite, dans la société d'une façon générale, oui, et pas seulement au sein de la police. On voit bien qu'il y a une exacerbation des tensions, une tendance à partir très vite vers des éléments de force, de violence extrêmement rapidement. Chez tout le monde, c'est pas seulement dans les forces de police, on le voit dans l'ensemble de la société, on le voit dans les écoles, on le voit parfois dans des clubs de sport, sur des terrains de sport parfois, pas en ce moment, peut-être moins en ce moment, mais on le voit partout. Donc il y a un vrai sujet qui est comment apaiser l'ensemble de la société et au sein des forces de police. On n'en prend pas le chemin avec ce qui se passe. Alors, d'où la question sur le sujet du maintien de l'ordre. Voilà. Il y a une mission d'information qui a été lancée à l'Assemblée nationale, qui a été menée par Mme Georges Pau-Langevin, qui vient de quitter l'Assemblée, donc qui va être remplacée maintenant, sur justement quelle doctrine du maintien de l'ordre, quelle déontologie qui doit interroger tout ça, car c'est un débat qui doit être versé au débat public. Et les parlementaires sont là pour ça. Débat public, vous voulez dire, c'est pas à tous les citoyens de se saisir manière. On a besoin de transparence. Il faut pouvoir en débattre ensemble. Qu'attendons-nous? Nous avons tous, et les sondages d'opinion le montrent, nous aspirons à une forme de à la sécurité. On a envie de vivre. D'ailleurs, c'est une promesse constitutionnelle. C'est pas la seule raison. Voilà. Je vous encourage vraiment à aller interroger un médecin de montagne et comprendre qu'en temps normal, en période de vacances scolaires, au ski, effectivement, quand les gens prennent les remontées mécaniques, donc font du ski, vous avez du coup un volume de blessures et de circulation dans les cabinets des médecins de montagne, donc dans les hôpitaux du coin, considérable. Vous ajoutez à ça une situation pandémique, et là, notre système de soins local, ça a été dit, mais peu insisté, ne peut pas faire face. Ah non, ça n'a pas été donc le Premier ministre l'a un petit peu dit. Il a un petit peu dit, la situation sanitaire de la région Rhône-Alpes ne nous permet pas d'ouvrir les stations. Mais Rhône-Alpes, mais alors dans d'autres régions, c'est peut-être possible, il y a un taux d'incidence. En Rhône-Alpes, les stations de ski, c'est beaucoup en Rhône-Alpes quand même. Oui, mais Christian Estrosi, par exemple. Et c'est vraiment, il y a ces deux aspects. Dans sa région, à ça, la raison qu'a donnée M. Griset, qui effectivement, le regroupement en montagne, ce sont des petits appartements. On prend facilement une raclette à 10 dans un studio pour 6 qui fait 15 mètres carrés et demi. C'est l'expérience qui parle. C'est hélas souvent comme ça. Donc oui, il y a un risque clair. Et d'ailleurs, en Autriche, c'est comme ça que ça avait démarré. Donc il y a ces deux raisons qui font que la situation pour nos stations de ski est difficile de toute façon parce qu'une grosse partie de la clientèle, vient de l'étranger. Ça a encore été redit, nous, en réunion récemment. Le Premier ministre nous l'a dit encore lundi soir. Il y a un travail intense du gouvernement français avec ses homologues européens pour avoir une harmonisation à laquelle l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, la France sont arrivées et les Suisses se mettent en dehors. Poser la question aux médecins sur votre plateau. La plupart des cabinets médicaux sont des cabinets, sont des médecins généralistes très très expérimentés d'un très bon niveau. Sont des cabinets privés, oui bien sûr. Et après ils sont évacués sur les hôpitaux de la région. Ah donc ça a un impact. Oui. Si bien sûr il y a besoin de les transférer en fonction. Parce qu'une fracture de jambe, le médecin et la boîte géniale, il va transférer. C'est pas lui qui va traiter. Ce qu'on interroge. L'exercice a ses limites. Puisque si je viens au premier sujet d'actualité de votre débat d'aujourd'hui et au fameux article 24 de la loi, on a pourtant des signaux faibles qui ont été remontés, des collègues qui ont porté des avis différents ou nuancés de ce que le gouvernement proposait. Et là, la communication ne s'est pas faite de façon que je pourrais qualifier d'efficace. Un exemple. Ouverts par des conditions adaptées, aménagées, ils sont ouverts et c'est ça qu'il faut retenir.